Après ça, on va viser la 4000 places du Palais de la Culture. Mais pour le moment, on se positionne à l'Hôtel Ivoire. Je suis la seule humoriste hein, à s'attaquer à l'Hôtel Ivoire. Quand il y a les choses, il faut le dire. Voilà, ce n'est pas de la prétention, mais c'est la grâce de Dieu. On remercie l'Éternel pour ça. Et puis, c'est une question d'ambition et de vision. Néanmoins, il y a un cas que je voulais souligner. Vous savez, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous avez pu remarquer que moi, je suis quelqu'un qui soutient l'art dans toute sa dimension. Voilà, merci pour le mot. L'art dans toute sa dimension. Autant je peux faire des posts pour soutenir un peintre de façon spontanée, c'est-à-dire la plupart du temps, ce n'est pas des gens qui me demandent de le faire, je le fais de façon spontanée. Je peux faire des posts pour soutenir un artiste chanteur, un artiste peintre, un comédien. Je le fais de façon spontanée, sans rien attendre en retour. Vous allez me voir publier le morceau de Richard Bonnard. Vous allez me voir publier un peintre, les talents d'un peintre. Et j'ai rencontré un peintre récemment qui m'a rencontré dans un restaurant, qui est venu, qui m'a approché. Il m'a dit, ah bonjour madame, c'est Yves Dereau. Je dis oui. Il dit, vous avez fait une publication sur moi. Vous avez vu un de mes portraits. Vous avez fait une publication sur moi. Et moi, pour vous dire merci, il y a une de vos fans qui s'appelle Fatou, qui m'a envoyé la photo de votre papa. Et j'ai fait le portrait de votre papa. Et il m'a montré le portrait de mon papa. J'ai eu tellement, j'étais choquée. Il dit, je vous cherchais pour vous faire ce cadeau. On a échangé les numéros. C'est à lui sa manière de me dire merci parce que je lui ai fait une belle surprise en postant son portrait. Donc, pour ne citer que ceux-là, mais j'ai remarqué qu'à mon tour, je n'ai pas de soutien déjà de ma communauté artistique. Et c'est la communauté artistique étrangère qui me soutient. Ruby comédienne, Frédéric Bucollet, Tata Oscarine, pour ne citer que ceux-là, des personnes qui ne sont pas de mon pays, qui me soutiennent, qui postent mes affiches. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de poster mes affiches. Parce que Dieu a déjà posté mon affiche. Yes. Dieu a déjà posté mon affiche. Yes. Et c'est parce que je marche avec Dieu que moi, je n'ai pas peur. L'année dernière, j'ai vu des posts. Ah, elle va taper poteau. Dieu dit que quand tu le suis là, il y a Jean Poteau. Ramatoulaye, tu es un grand frère à moi. Quand tu as tes spectacles, tu m'écris. Avant même que tu ne m'écrives, même là, j'ai déjà publié. Tu m'envoies des messages pour me dire, ma petite, chapeau, tu es content. Je fais des vidéos pour parler de tes spectacles. Ramatoulaye, où es-tu? Ta petite soeur fait spectacle le 14 février. Magnifique. Moi, Yvie, je vais fouiller dans mes publications l'an dernier là-bas. Là. Tu avais un spectacle. J'en ai parlé. Tu es venu commenter même. Ta petite soeur Yvie Dereau fait spectacle magnifique. Où es-tu? Aga Lawal. Je t'ai soutenu dans tes spectacles. Aujourd'hui, je fais spectacle à l'Ivoire. Où es-tu? Je vais citer Priscilla Dégameuse. L'année dernière, 2019. Bonjour 2019. Tu as été lynché par les Ivoiriens. J'ai fait un post sur ma page pour te soutenir. J'ai mon spectacle. Où es-tu? Eni Zunon, pour ne citer que cela, pour dire que moi, la fille qu'on traite de ne pas humble, on dit elle n'est pas humble là. C'est moi. Je prends vos spectacles et j'en parle sans vous demander. Baby Philippe, tu avais ton concert. Ton manager est venu me trouver dans un restaurant pour faire une vidéo. J'ai fait la vidéo pour toi et j'ai partagé, j'ai parlé de ta vidéo. DJ Mix, j'ai parlé de ton spectacle. Lui que je peux dire que il me soutient. Serge Benoît, c'est Dieu qui va te bénir.
Serge Benoît. Sinon, je fais la publicité des gens. Je publie vos choses. Qui me paye? Vous me payez? Vous ne me payez pas. Mais je le fais de cœur parce que mon cœur est comme ça. J'aime les gens. J'aime aider les gens. Aujourd'hui, je parle. C'est vrai, ça me fait mal. Mais ça ne me fait pas mal pour dire que j'ai besoin de vous. Non, non. Je parle pour vous dire que c'est Dieu qui est ma force. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai mis ma confiance en lui. J'ai mis ma confiance en lui. C'est pour ça que moi, Ivana, je ne peux pas tomber. Parce que quand tu dis que tu as Dieu là, tu ne peux jamais tomber. Même si les gens ne te soutiennent pas, il faut toujours avoir le soutien de Dieu. Les hommes vont t'abandonner. Mais tant que tu es derrière toi là, tu ne peux rien craindre. Et c'est ce que moi j'ai choisi dans ma vie. J'ai choisi de suivre Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas tomber. Ce spectacle là, il n'y a pas. Ça veut dire que les sponsors qui m'ont accompagné là, ce n'étaient pas ceux de l'année dernière. Solibra continue. Je fais un big up à Solibra. Cette année, Sounou s'est ajouté. Il y a AMS Entreprise. Il y a les sponsors médias Nostalgie, Abidjan.net. Je fais un big up au DG d'Abidjan.net qui a pris plus de 20 tickets. Il y a A+. Il y a NCI. Vraiment, tous les sponsors qui m'ont accompagné cette année, merci. Mais il y a d'autres sponsors qui m'ont lâché. Pourquoi? Je ne vais pas donner les raisons. Mais Dieu seul est mon témoin. Moi, je remplis toujours ma part. Mon travail là, quand on me demande là, je remplis toujours ma part. La honte est toujours de l'autre côté. La honte n'est jamais sur mon côté. Parce que j'essaie d'être professionnel. Mais cette année-là, on va casser le palais de l'hôtel Ivoire. Là. Mes étoiles, on casse ou bien on ne casse pas. On casse ou bien on ne casse pas. Mettez-les au défi. On dit, il y a tapé poteau à l'hôtel Ivoire. Non. Mettez les gens là au défi, mes étoiles. Allez dans les points de vente, allez payer vos tickets. Cap Sud, FNAC, Cap Sud, FNAC, Cap Nord, Abidjan.net, Etiquette Go, QG Abidjan, le Didis Bar. Allez prendre vos tickets. On n'a qu'à dire que la semaine prochaine, le ticket est fini. Ticket est fini. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Vous parlez en parabole. Là. Moi, c'est qui fait ma force. Quand je parle, il dit les noms parce que je n'aime pas en coup. Moi, je ne critique pas. Non, non, non. Voilà pourquoi il dit, je ne fais pas clash. Bah, le jour où il fait clash, là, il dit les noms, il dit les casser, les papos. Moi, je ne suis pas dans clash. Voilà. Donc, je vous dis, montrez à ces gens-là que nous, on a choisi Dieu. Adorateur, je vous attends. Les enfants de maman Geneviève, je vous attends. Mes étoiles musulmanes, je vous attends. Mes étoiles évangéliques, papa Guy Vincent, maman Jeanne Monet, je vous attends. Papa Mohamed Sanogo, je vous attends. Tous les enfants des ministres, tous les ministres qui sont derrière moi, qui m'aiment là, venez. Tous les mamans, la première dame, oh. Maman Fatima, Koulibaly, oh. Tous ceux, papa Dakota Dembélé, oh. Le ministre Ahmed Bakayoko, maman Yoyo Bakayoko, mes étoiles du monde entier qui me soutiennent là, même celles qui ne sont pas à Abidjan, vos prières vont m'accompagner. Et puis on va confirmer ce 14 février au palais des congrès de l'hôtel Ivoire. La salle du palais des congrès de l'hôtel Ivoire là, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, il vit de rouge, j'ai pris ça sur fonds propres. Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi-même mon agent. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Donc je compte sur vous. Et puis, que Dieu nous garde et que Dieu nous montre ce jour. Pour mon ami Willy que j'ai perdu, qui m'a dit, il dit, bébé, le 14 février, là, on doit casser la baraque. J'ai appris sa mort un 14 janvier. Avant de mourir, mon ami m'a offert de monter dans une limousine. Il n'était jamais monté dans une limousine. Il dit, bébé, tu vas monter dans une limousine. Je suis monté dans une limousine. Il dit, tu vas faire photo avec une rose rouge. Mais cette photo-là, tu dois publier cette photo-là le 1er février. C'est ma photo. Et la photo-là, je vais publier ça demain. Mais demain, c'est le jour de son enterrement. Je vais publier.
C'est ce qu'il voulait. Je vais faire. Je vous dis merci.